Pierre de Ronsard naît en septembre 1524 au château de la Poissonnière, près de Couture-sur-Loire, en Vendômois. La mère de Pierre de Ronsard, Jeanne Chaudrier, est la descendante d'un illustre seigneur ayant libéré la ville de La Rochelle de l'occupation anglaise pendant la guerre de Cent Ans. Son père, Louis de Ronsard, est chevalier. C'est Louis de Ronsard, maître d'hôtel du roi, qui accompagne les enfants de François Ier, le dauphin François et Henri II, lorsqu'ils sont échangés contre le roi en 1526 et gardés en otage en Espagne suite au traité de Madrid. Au retour de son père, Pierre de Ronsard est confié à un précepteur pendant 4 ans afin de le préparer à des études prestigieuses. En 1533, il rejoint le collège de Navarre, mais il n'y reste que quelques mois. 1536, Pierre de Ronsard séjourne à la cour de France. Il devient le page du dauphin François. Ce dernier meurt prématurément. Ronsard écrira « Je vis son corps ouvrir, osant mes yeux repaître, des poumons et du cœur et du sang de mon maître. » 1537. À la suite de cette tragédie, il devient le page de l'un des frères du défunt, Charles II d'Orléans. Il est ensuite attaché au service de sa sœur, Madeleine de France. Elle épouse le roi Jacques V d'Écosse. Pierre de Ronsard l'accompagne dans son nouveau royaume. Elle aussi décède rapidement. Pierre de Ronsard fait de nombreux voyages aux côtés de l'ambassadeur Claude Dumière, seigneur de la Signy. 1539. Retour en France. Pierre de Ronsard est de nouveau au service du duc d'Orléans. 1540. Mis hors de page, Pierre de Ronsard accompagne en Allemagne le célèbre humaniste et ambassadeur de France, Lazare de Baïf. 1540-1543. Pierre de Ronsard tombe malade. À l'issue d'une longue convalescence, il reste à demi sourd. 1543. Contraint de se tourner vers une carrière ecclésiastique, il reçoit la tonsure le 5 mai 1543. Ses cures et prébendes, bien que modestes, ont l'avantage de lui laisser le temps d'étudier. Ronsard écrit ses premiers vers. En 1544, Ronsard et Jean-Antoine de Baïf deviennent les élèves du célèbre helléniste et écrivain Jean Dora. Il leur transmet le goût de l'érudition. Pierre de Ronsard étudie la littérature grecque, italienne et les procédés littéraires. 1545. Peu après le décès de son père et de sa mère, Ronsard voit Cassandre Salviati pour la première fois. 1547. Mort de François Ier. Son fils Henri II lui succède. Ronsard se remet sérieusement aux études. Ronsard fréquente le collège de Coqueret, dont Jean Dora devient le principal en 1547. C'est également en 1547 qu'il rencontre Joachim du Bellay. Ce dernier le rejoint au collège de Coqueret. Pierre de Ronsard publie cette même année sa première œuvre, une ode horacique, dans les œuvres poétiques de Jacques Pelletier du Mans. Sous l'égide de Jean Dora, Ronsard forme la Brigade, un groupe de poètes appelés à lutter contre le monstre ignorance. La Brigade devient la Pléiade et regroupe, outre Pierre de Ronsard, Joachim du Bellay, Jacques Pelletier du Mans, Rémi Bellot, Antoine de Baïf, Pontus de Thiars, Étienne Jodel et Jean Dora. La composition de ce groupe varie au fil du temps. 1549. Joachim du Bellay écrit défense et illustration de la langue française, texte qui affirme la qualité littéraire du français. Il se propose, avec les autres membres de la Pléiade, d'enrichir la langue française, afin qu'elle n'ait plus rien à envier au grec ou au latin. 1550-1552, les odes de Pierre de Ronsard étonnent par leurs expressions et références mythologiques érudites. Vers 1551, le poète Mélin de Saint-Gelais ridiculise Pierre de Ronsard auprès du roi de France. Ronsard, humilié et aigri, répond par des textes vengeurs. Il se réconcilie en 1553. 1552, les amours de Cassandre. Cassandre Salviati, mariée à Jean de Peignet, seigneur du Pré, inspire à Ronsard des sonnets passionnés, brûlants, douloureux. 1553, les poèmes du jeune Ronsard vont assez loin dans l'érotisme et le dionysiaque avec le livret de folâtrie. Ses hymnes, 1555-1556, et les amours, confirment son génie et l'élèvent au rang de poète quasi officiel de la cour. 1555, les amours de Marie. En 1554, Ronsard s'éprend de Marie, une jeune fille originaire de Bourgueil. Ses poèmes se font moins grandiloquents et plus sincères. 1559, mort accidentelle du roi Henri II lors d'un tournoi. François II lui succède. Après le décès de Saint-Gelais, Ronsard obtient le poste d'aumônier ordinaire du roi.
1560, avènement de Charles IX. La France est déchirée par les guerres de religion. Ronsard reçoit un coup d'arquebuse. En 1562, dans son discours des misères de ce temps et les remontrances au peuple de France, il critique la violence des Huguenots et de leurs mercenaires. Entre l'été 1561 et l'été 1562, Ronsard vit une grande histoire d'amour avec Geneviève. Charles IX est sans doute le roi qui apprécie le plus Pierre de Ronsard. Il écrit au poète « Donc, ne t'amuse plus à faire ton ménage. Maintenant, n'est plus temps de faire jardinage. Il faut suivre ton roi qui t'aime par-dessus tout, pour les vers qui de toi coulent braves et doux. Et crois, si tu ne viens me trouver à Amboise, qu'entre nous adviendra une bien grande oise. » Durant les guerres de religion, Ronsard n'a de cesse de défendre le roi et l'Église catholique. En 1565, il reçoit le prieuré de Saint-Côme. Puis, en 1566, Charles IX le récompense une nouvelle fois avec le prieuré de Croisval. La Franciade, inachevée, est publiée en 1572. Selon ce poème épique, Francus, fils d'Hector, fonde la nation française. L'épopée déçoit. Pierre de Ronsard est sans doute soulagé de ne pas avoir à poursuivre cette œuvre réclamée par Charles IX. 1574, mort de Charles IX. Henri III lui succède. Octobre 1574. Henri III commande à Ronsard un magnifique poème en hommage à son grand amour, Marie de Clèves, qui vient de décéder. 1578. Les sonnets pour Hélène. Hélène de Surgères, sa Vénus, son amour, sa charité, sa brune, fille d'honneur de Catherine de Médicis, lui inspire des vers passionnés. Ronsard souffre pendant les dernières années de sa vie. Il est accablé par la maladie et les malheurs de la France. Il décède dans la nuit du 27 au 28 décembre 1585. Ses funérailles solennelles sont célébrées à Paris 2 mois plus tard.